Bien, salut à tous, c'est Mister Sponge et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode sur Prison Architect, le mode Escape, donc encore et toujours sur la prison de Canon. On essaye toujours de s'échapper. On commence à voir notre petite bande qui est niveau 1, à part mon second, donc qui est Early Junior, pardon. Ils sont tous encore niveau 1, comme vous voyez ici. Donc on va améliorer tout ça dans le but de s'échapper le plus vite possible de cette prison. On va aller dormir, hein, puisqu'on n'a rien d'autre à faire. Et donc on est parti sur cette deuxième vidéo. 19 de points de réputation, putain il coûte cher lui. Donc sur cette deuxième vidéo, on va aller farmer encore un peu du point de réputation. Et on va peut-être essayer aujourd'hui de faire une émeute. Une petite émeute. J'ai mon petit bâton. On va essayer de foutre un peu le dawa. Hop. On va ameuter toute la bande. Voilà, et on va foutre le dawa à la cantine. À la cantine. Pour l'instant, on va peut-être juste le frapper, lui d'ailleurs, puisque ça sera le seul gardien. Viens, viens une fois ici. Ah putain, il m'a direct tasé, quoi. Allez, on y va, on y va. Ok, c'est la mêlée générale là par contre. Hein. Moi j'arrête le combat. J'ai juste récupéré les clés. Ah, quelqu'un a récupéré les clés. Ah, par contre le taser. Ah, j'ai loupé. Là il y a un taser. Oh là 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 là. Les mecs, on se barre. Ok, d'accord. Ok. C'est la guerre. C'est la méga guerre. Là, il y a tout le monde qui se bat contre tout le monde. C'est orgie dans le sang, là, complètement. Y'a pas moyen de se barrer, genre, j'ai rien fait, monsieur. Ah, d'accord, ok. Ouah, y'a du monde qui arrive. Purée, ça barbe. Ça tire à balles réelles, hein. Ça tase dans tous les sens. Ok, ok. On s'est fait mater dans le sang. On s'est fait mater dans le sang. Il y a Carter qui est mort carrément. On s'est fait mater dans le sang, les amis. Hein. Oh là là. Bon. Bah, on a perdu un membre. On a perdu un membre. On a gagné un peu de points de réputation, mais. Moi je voulais juste me carotte un truc et repartir en fait. Moi je voulais pas que ça passe comme ça. Donc on va annuler les sanctions. Un petit point, hop. Non. Voilà lui. Lui, attendez. Le maître chien, non, il a. Moi il me faut une arme lourde pour pouvoir avancer un minimum. De garde là, il y a trop de garde. Ouais, dans la prison, dans la douche, c'était la guerre là, c'était la guerre complète. Mais on peut faire mieux, on peut. Oh, lui par contre m'intéresse. On peut faire mieux, on peut faire beaucoup mieux. Je vais aller récupérer mon taser. Il me faut un fusil à pompe. Si j'arrive à mettre un fusil à pompe de côté, j'ai moyen de déclencher une guerre, mais alors nucléaire. J'ai perdu un membre, lui je vais le virer puisqu'il est mort. On va le foutre à la morgue. Allez. Toi là. Oh, oh. Ah, je l'ai, je l'ai. Non, je le fusil à pompe. Je vais planquer les clés là. Oh là, oh là, oh là, on se barre. Oh putain! Ok, c'est bon. Ok, ok. En full dawa, c'est parti. Alors par contre, on va pas faire les foufous. Donc ce qu'on va faire, c'est que voilà, on va arrêter ici, on va planquer l'arme. Pourquoi est-ce que je ne peux pas planquer l'arme? Je vais me cacher, je me cache, je me cache.
peux pas la cacher peut-être dans les toilettes. Putain, il y a un mec qui est en train de faire mais un mort. Oui, je peux me rendre, Anton. Mais si je me rends, en fait, c'est un peu dommage, quoi. Puisque. Est-ce que je peux pas. Comment est-ce que je planque. Ça, je peux planquer. Ah, le fusil à pompe, on peut pas planquer, là. Par contre, c'est dommage. Parce que. Là j'ai envie de vous dire, je suis un peu grillé, quoi, avec mon fusil à pompe, quoi. Alors que j'avais réussi à le planquer la dernière fois. Toi, là, par contre. Comme ça, je planque les clés. On est en train de faire un truc, mais genre qui est pas du tout possible normalement. On va remplir toute la cellule de matos. Hop. Et ici, je t'attends. Non, en fait, je me rends. Ça, c'est quand même pas trop trop bien fait dans le sens où vraiment on peut se rendre tranquille, quoi. Mais comment. Alors, le fusil à pompe, il faut que je le garde. Le souci étant, alors je vais déjà aller à l'infirmerie, ce massacre dans les couloirs, quoi. Je vais déjà aller à l'infirmerie pour aller un peu me soigner. Le souci étant, c'est que je ne peux pas le planquer. Et si je peux pas le planquer, je suis un peu baisé, puisque je peux pas trop l'utiliser, sinon sinon bah c'est la guerre. Sinon bah je le perds tout simplement. Alors. L'infirmerie, où est-ce qu'elle est, je crois qu'elle est. Non, elle était. Elle est où? Je sais plus où est l'infirmerie. Non, elle est plus bas. Ouais, je vais aller à l'infirmerie parce que là, je suis un peu blessé. Ce que je vais faire, je pense, le plus sensé, c'est de déclencher une bagarre générale. Déjà, je vais essayer de recruter un peu plus de gens. Déclencher une bagarre générale dans la cantine ou à un lieu qui est très fréquenté. Je sais pas à quoi ça me sert les anti-analgésiques. Les médecins, ils sont déjà un peu partout, je pense, à cause du dawa qu'il y a eu dans la douche. Ouais. Mais c'est ça aussi le souci, c'est que, effectivement, on me dit dans le chat, évite les détecteurs de métaux. C'est aussi ça le problème, c'est là, les détecteurs de métaux, ils peuvent me coûter très cher. Toi, je vais te recruter. Recruter. Il me faut un médecin là, ils sont où les médecins? Il n'y a plus de médecins? Parce que ouais, on peut switch, mais je vais quand même rester sur mon perso de base, hein, qui est mon petit Adam. Alors lui, je sais pas ce qu'il est en train de faire, mais c'était un peu glauque. Du coup, les médecins, s'il vous plaît. C'est quand vous voulez. Hein. Parce que je suis légèrement mal en point. Et d'ailleurs, les médecins, genre, quand ils te soignent, ils voient pas que t'as un fusil à pompe, tu vois, c'est... Ça va. Hop. Bon. Bah ouais, ça. C'est quoi si je pique une piqûre... Si je carotte la piqûre. En face du nez des flics. Moyen. Bon, par contre, ouais, sans déconner, ils sont où les médecins, ils sont encore là-bas? On va voir s'ils sont encore à la douche. J'ai envie de faire un massacre à l'américaine. Je rentre dans la salle de classe, je tue tout le monde. C'est quoi ce bruit? Cucu, t'es en train de grignoter un truc là? Chapelle, c'est pas le moment que je me repentisse. Oh là, il y a du monde. Où est la douche? Purée, cette prison est trop grande pour moi. L'atelier, c'est un truc juste pour avoir des outils et tout ça, c'est le truc où il faut être. Mais il y a des détecteurs de métaux et des gardes. Bon. Du coup, je ne trouve pas la douche. Alors, est-ce qu'au moins les médecins sont revenus? Ah, médecin revenu. Je suis là. Merci, madame. Je te tuerai en dernier. Par contre, ouais, on peut carotte masse de trucs, là. Ok, donc, prochaine étape. Foutre le dawa encore et encore et encore. Est-ce que... Je vais aller voir un truc. Il faudrait que je...
Ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça. Je vais en fait équiper chacune de mes recrues. On va faire un grand coup. On va vraiment essayer de faire un grand coup et tous les équiper de fusils à pompe ou d'armes contondantes ou un truc comme ça qui fait bien mal. Pour après, je vais vous expliquer un peu. Alors je vais monter par là. Hop. Pour passer donc ici, on remontera par le couloir. Et là, mon vieux, on va faire un massacre dans cette salle. Et on va aller attaquer le générateur pour couper l'électricité dans toute la prison. Et après, là, ça va être du gâteau après ça, je pense. Une de tes recrues s'est évadée. Sérieux? Ah ouais, putain, il s'est évadé, le mec. Comment il a fait? Ah, le mec, il s'est évadé. Comment il a fait? Ah oui, il est fort. Là, les détecteurs à métaux, ils marchent mon cul, quoi. Le fusil à pompe, il marche pas trop. Hein. Bon, bah, il s'est évadé. Bien joué à lui. Hein. Ah, peut-être un tunnel. Il y a peut-être un tunnel qui... Non, moi, je veux le faire la manière violente. Toi, là, lâche mon pote. Je lui tire un coup de fusil à pompe dans le dos. Bon. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais aider à salle de... Ouais, c'est mon second, putain, il s'est servi de... Ah, je l'ai entraîné, j'ai fait de lui un homme et tout, et voilà comment il me remercie. Ah, ça vous apprendra. J'ai rien fait. C'est ça. Il m'a laissé tomber, le saligo. Oh, putain, celui-là, par contre, il rentre. Mais en fait, j'ai l'impression que je suis complètement invisible avec mon fusil à pompe, quoi. C'est normal, un prisonnier qui se bat avec un fusil à pompe. Ça, par contre, ça m'intéresse. Est-ce que je pourrais pas en prendre pour genre, je sais pas, empoisonner les trucs? Ouais, il faudrait que je casse les caméras, mais... Regardez, je passe tranquillement au détecteur de métaux. Je sais pas ce qui se passe avec le fusil à pompe, c'est peut-être un bug. Alors, je vais faire un truc, c'est que... Hop. Toi, viens ici. Je vais l'abattre et puis je vais prendre avec l'autre son fusil à pompe. Ok, il est là. Il est où? Il arrive normalement. Ouais, il arrive. Ok, on va frapper un grand coup. Il est là. Le mec ne panique pas plus que ça. Hein. Ok, maintenant est-ce que ça je peux planquer? Là je peux planquer. Ouais, je pense que l'arme était buggée avant. Mais du coup lui il est inconscient. Tout ce que je trouve. Bon. On a fait du dégât. On a fait du dégât. Le souci, c'est qu'il a peut-être perdu son flingue, lui. On me dit sur live Big Freeze. Est-ce que c'est le cas de tout le monde? Est-ce que genre je pourrais pas descendre le garde dans le dos pour sauver mon pote. Enfin, pour me sauver moi-même, en fait. Lui qui est toujours en isolement. Tu vas avoir de la visite bientôt, Fairstone. Hein. T'inquiète pas, il y a notre leader qui arrive, hein, Adam. Lui, il est un peu perdu, j'ai l'impression. Il sait pas trop quoi faire. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du courrier, ça? Eh merde, ça je voulais pas faire. Ça je ne voulais pas faire. Bon. J'ai encore gagné la réputation. Ok, bon bah on a un mec sur quatre qui est en vie. Bon, on est pas mal l'air de rien quand même. Il faut voir le bon côté.
c'est qu'on a avancé, on a un fusil à pompe, on a des clés qui vont nous permettre de tout sortir, de tout ouvrir, pardon. Est-ce que... Je suis en train de me dire un truc, si... Attendez, on va passer par là. Je suis en train de me dire que je vais vérifier un truc. Est-ce qu'il y a une sortie? Non, je ne crois pas qu'il y ait une sortie par là. La sortie principale, l'entrée par laquelle je suis arrivé, où est-ce qu'elle est? Bienvenue sur le live, Sabastor. L'entrée par laquelle je suis arrivé. Je sais plus, je crois que c'est ça. Je sais plus par où je suis arrivé, je crois que c'est ça. Alors, Sabastor, pour t'expliquer, je suis en train de jouer à une prison d'un de mes abonnés. Ah, attendez, Adam. Adam a encore son flingue. Ah, il faut que je libère pour qu'il ait son flingue, purée. Firestone va être libéré, Smith est en prison. Il faut que je foute le dawa quand il y aura un maximum de prisonniers. Mais en attendant, il faut quand même que je recrute encore. Faut que je recrute, faut que je recrute. Pourquoi il m'arrête? Ok, genre il me fouille random quoi. J'ai rien fait. J'ai même rien sur moi en plus. Il me fouille random. Ouais, Sabastor, écoute, pour l'instant, je galère pas mal. Hein. Benjamin Boys. Toi, tu me plais, toi, mon pote. Allez, viens dans la bande. Adam Forrest, un autre Adam. Boys, j'aimerais bien savoir. Il a des trucs spéciaux, non? Pour l'instant, je vais rester sur Adam, perso principal, puisque là, je l'ai pas mal upgrade, même si je pourrais encore l'upgrade un peu. Et le fait que mon second m'ait abandonné et s'est barré sans moi de la prison, ça me l'a mis un peu mauvaise. Ok. Ce qu'on va faire. Bon, on est pas non plus énormément. On en a deux en prison. Il faut qu'on frappe un grand coup pour se faire un maximum de points. Donc, je vais faire venir Boys. Ici. Et ici. Je vais voir une fois. L'emploi du temps. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'avoir notre emploi du temps? Non, 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 on ne nous le donne pas. Pour. Au repas. Foutre le bordel monstre. C'est-à-dire, on va. Là, je pense qu'il va bientôt avoir le repas. On va essayer de mettre un bordel maximum. Pour gagner un maximum de points, quitte à tout simplement perdre un peu de membres. Toi, tu vas prendre ça. Adam, il est où? Adam, il est dans sa cellule, d'accord, ok, sans problème. Ils l'ont libéré direct. Ok, ah, mais ça c'est cool ça du coup. Ça veut dire que lui, je vais pouvoir lui donner le fusil à pompe. Et Adam, on va les récupérer alors du coup. Hop. On va les récupérer les clés. On a un fusil à... Alors, on est pas mal équipé, hein. Enfin, moi je trouve qu'on est pas mal équipé. On a deux fusils à pompe, un taser, une matraque. Et on a des clés de sortie. Donc, si là on frappe un grand coup pour forcer à faire une énorme émeute. Les mecs, ils se baladent tranquille avec le fusil à pompe, hein, par contre. Hein. C'est n'importe quoi. Hein. Mais là, il te laisse pas faire! Putain, mais il se laisse faire en plus. Sérieusement? Bon. Et maintenant, est-ce que je peux le libérer? Non, d'accord. Putain, génial. Bon. Bon, on va devoir avancer le plan. On va devoir avancer le plan. Merde.
Merde, putain, ça me fait chier maintenant que je dois avancer plein. Y a tous les gardiens qui viennent, ouais, non. Ah! Fizzer. Récupère quand même les clés. Il faut pas qu'on ait tout perdu là. On a les clés. On a les clés. Il y a un taser là, il y a un taser. Ah! Merde! Non! Voilà, vu, ni connu. Et les clés là. Merde, ça me fait chier maintenant que ça ait déclenché. C'est vraiment. Ah! Ça me fait. Ah, c'est chiant, c'est chiant. Bon, on va faire sortir tout le monde. Hein. On va utiliser un point de répute. Ah, ça m'embête. Ça m'embête beaucoup, même. Bonne soirée, Sylvain. Du coup, je pourrais dormir en fait, non? Hein, j'ai pas le droit. Merci. On va passer du coup la nuit. On ne peut pas dormir. Ça, c'est bien ça. Donc. Ok, bon bah moi ce que je pense c'est que on est quand même bon on est déjà presque à 22 minutes de vidéo. On va s'arrêter là pour l'instant. J'espère dans tous les cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser un like, un commentaire, à partager la vidéo autour de vous, à faire exploser le bouton like. Puis moi je vous dis à très très bientôt pour un nouvel épisode. On va essayer de s'organiser parce qu'on commence à être pas mal. Salut tout le monde, c'était Mister Sponge.